Le champ plage de date permet à un utilisateur de choisir une date de début et une date de fin. Pour le configurer, rendez-vous dans n'importe quel type de page, ajoutez un élément, allez dans la liste des champs et sélectionnez plage de date. Le champ est ainsi créé. On peut voir ce que ça donne en allant dans prévisualisation. Donc là, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut sélectionner par exemple un séjour dans un hôtel. Donc il va choisir une date de début, une date de fin, et elle va bien s'inscrire dans le champ.